Et salut à tous, c'est Wisberen pour vous servir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ligue des Champions, la demi-finale entre le Real de Madrid et Chelsea. L'aller va se dérouler au Santiago Bernabéu, voilà, sans le public malheureusement toujours à cause de ce Covid. Mais voilà, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément en demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, le retour de Varane et de Carvajal pour le Real. Par contre, le forfait de Ferland Mendy qui est dommageable. Du côté Chelsea, on a 100% du potentiel. Voilà, deux équipes qui se sont qualifiées en quart de finale. Liverpool n'a pas su faire grand chose contre le Real. Et sa mécanique de jeu très huilée. Trop d'erreurs du côté Liverpool qui n'auront pas permis à Liverpool de passer. Et Porto n'a pas pu faire grand chose face à Chelsea. Ça s'est surtout joué à l'aller. Et au retour, Chelsea a géré le score tranquillement. Donc du coup, voilà pour cette première demi-finale de Ligue des Champions. Demain, vous aurez le PSG Manchester City. Et c'est parti avec Karim Benzema et N'Golo Kanté. Voilà, un homme à suivre. N'Golo Kanté, encore une fois, qui est monstrueux. Toujours monstrueux, N'Golo Kanté. Et à suivre ce joueur. Le joueur à suivre aussi du côté Real, c'est Karim Benzema qui est à la forme de sa vie, qui a son apogée, il a son prime, il est incroyable en ce moment, il porte le Real tout seul. C'est assez fou, là, il porte l'attaque du Real, c'est assez incroyable ce qu'il fait Benzema cette saison. Du coup, Werner, c'est parti. Werner qui est assez maladroit en ce moment, mais il a marqué ce week-end, donc c'est... Et il a offert la victoire à Chelsea surtout. Une victoire précieuse sur West Ham. Donc c'est parti avec Casemiro pour Benzema. Casemiro, allez, on va essayer d'orienter le jeu. Un petit dribble. Pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose dans ces premières 20 minutes. Allez, 1-2 avec Modric. Carvajal. Monte qui intercepte avec Timo Werner. Werner qui va essayer de percuter et provoquer avec James. Averse pour Mount. Averse, oh oui, la bonne décalage là pour Chilwell. Chilwell, que va faire Chilwell? Malheureusement, on passe pas Carvajal. Et Courtois qui va pouvoir dégager pour Nacho. Nacho qui va trouver Casemiro. Casemiro, la passe interceptée par Rudiger. Et c'est Thiago Silva qui va dégager. On va parler un peu de ce système de Chelsea, le 3-5-2 là. Qui est vraiment impressionnant, le système trouvé par Tuchel. Tuchel qui fait un bon boulot depuis qu'il est arrivé à Chelsea et qui a redressé un peu l'équipe. Bien joué à lui. Allez, c'est parti avec Asensio, la contre-attaque des joueurs du Real. Allez, Asensio, ça va vite. La passe pour Modric. On la remet sur Asensio. On va essayer de provoquer. Pour l'instant, cette première demi-heure, pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent. C'est un match assez fermé. Les deux équipes ne veulent pas trop prendre de risques. Et c'est N'Golo Kanté qui intervient. N'Golo Kanté qui lance sa contre-attaque. N'Golo Kanté toujours avec les 1-2, avec Werner. Timo Werner, encore N'Golo Kanté pour Mason Mount. C'est parti. Le petit triangle qui a été réalisé avec Werner. On trouve Jorginho, Werner. Voilà, là on communique bien et c'est fluide hein, cette attaque du côté Chelsea avec Jorginho pour N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, la passe N'Golo Kanté, elle est magnifique pour Kai Havertz. Malheureusement, il ne retrouvera pas Werner. Et Courtois qui a bien anticipé et qui se détend bien pour capter ce ballon. La bonne relance des derniers d'Itao. Et c'est les joueurs du Real qui contre-attaquent avec le petit triangle, avec Kroos. Malheureusement, l'appel de Benzema qui ne sera pas fait. Et Benzema pour l'instant, Benzema, la petite passe magnifique de Benzema. Et bonne intervention de Rudiger. Azpilicueta pour Jorginho. Pour l'instant, pas beaucoup d'occasions. Enfin, au vu de cette première mi-temps, assez équilibré, hein, 50-50. Les joueurs ne veulent pas prendre de risques. C'est une demi-finale de Ligue des Champions, on le rappelle. C'est important dans une carrière. Allez, Modric qui se fait siffler par l'arbitre. La fin de cette première mi-temps et on va voir dans les stats, il se passe pas grand-chose. Légère possession supérieur du Real, mais pour l'instant pas beaucoup de choses et c'est parti pour le début de la seconde mi-temps. Allez, avec Timo Werner pour Mason Mount. Kanté pour Jorginho. Werner, N'Golo Kanté
que va-t-il nous faire N'Golo Kanté, on communique bien la balle, Thiago Silva, Jorginho, pour James. James, on va trouver Kaya Vers, Jorginho, pour Werner, Timo Werner, pour Monte, Werner qui essaye de provoquer, non. Il tombe sur la défense du Real pour l'instant, pas beaucoup de mouvement du côté de Chelsea. Mais on possède le ballon, on a mis le pied sur le ballon là, dans cette seconde mi-temps, avec Jorginho. Jorginho pour Kanté. Kanté. Allez, possession, grande possession de Chelsea pour l'instant. Hein. Allez, on fait des 1-2, on essaye de trouver les espaces, mais la défense du Real est hermétique. Allez, pourquoi pas Werner. Werner. Allez, pour l'instant, il n'y a rien qui se produit. 60 minutes de jeu. Toujours 0-0. Jorginho. Averse. Ah, c'est, on voit que c'est une demi-finale de LVC hein, quand même. Les deux équipes qui se jaugent. Avec Aspilicueta. James. Aspilicueta. Averse. Werner. Werner peut-être. Et Dermi Militao qui s'interpose. Très bon. Jaillissement de. Les Dermi Militao, et c'est Modric qui va essayer de contre-attaquer. Est-ce que le Real va-t-il encore se propulser en finale? C'est ce qu'on verra avec Modric, Casemiro, Benzema. Benzema, il est là, Benzema. Benzema qui va provoquer, essayer de provoquer Benzema pour Vinicius. Benzema, Casemiro, Asensio dans la surface de réparation. Asensio, la frappe! Oh, ça passe pas loin! Des cages de Mendy. Oh là 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 là. Quelle frappe. Juste à côté. Et les changements qui vont être effectués. Jorginho qui va laisser sa place à Kovacic. Et ça va être dégagé par Mendy. Le 6 mètres. Ah oui, Mon qui gagne son duel pour Chilwell. Qui va retrouver Werner. Werner, Chilwell toujours. Chilwell qui va essayer de trouver le défenseur. Mais bon jaillissement et bonne intervention de Carvajal. Et c'est Vinicius Junior là qui a fait un très très bon contrôle. Et qui peut lancer le jeu du côté Real avec Karim Benzema. Karim Benzema, voilà, on va ouvrir le jeu à Modric. Modric qui va ouvrir pour Asensio. Asensio qui a eu la seule grosse occasion pour le moment de cette rencontre. Avec Benzema, Casemiro. On retourne un peu et bon tac, Aspilicueta qui monte les jambes. Et Werner, la contre-attaque des joueurs de Chelsea avec Timo Werner. Werner qui a du champ. Werner qui se propulse. Werner, ah, il a manqué la passe malheureusement. Il y avait une bonne passe à faire, il a pas vu. Averse. Kaya Averse dans la surface de réparation. Pour Kovacic. Kovacic pour Ante. Et l'ouverture du score des joueurs de Chelsea à 80e minute. Mason Mount. Oh, quel mouvement collectif des joueurs de Chelsea. Kaya Averse qui va trouver Kovacic. Kovacic a une touche pour Mount. Mount qui ne laisse aucune chance à Courtois. Et c'est l'ouverture du score. Oh, le bon coup pour Chelsea pour le moment. Qui mène 1-0 à l'extérieur. Et c'est Chilwell qui va être remplacé. Par Tammy Abraham. Par Hudson-Odoi, pardon. Un changement poste pour poste. Mais un peu bizarre parce que Chilwell est plus défensif que Hudson-Odoi. On veut doubler la mise peut-être du côté de Chelsea. Attention, hein, le Real. Et Hudson-Odoi qui s'interpose. Allez, Thiago Silva. La relance pour N'Golo Kanté. Kovacic. Werner. Werner qui peut lancer, son collègue. Non. Ne va pas le voir, Hudson-Odoi. Et pour l'instant, on maîtrise du côté de Chelsea. Ce qui s'apparente à une très très bonne opération. 1-0 pour le moment. Au Santiago Bernabéu pour Chelsea. Averse pour Kovacic. Kovacic et la bonne intervention de Raphaël Varane là-dessus. Allez, une dernière contre-attaque. 10 joueurs du Real peut-être avec Karim Benzema. Allez, c'est la dernière action du côté Real. Il va pas falloir la gâcher. Avec Carvajal pour Benzema qui trouve Modric. Modric, la belle ouverture pour Vinicius. Oh, l'arrêt de Mendy qui permet à Chelsea de préserver ce bon résultat. Le face-à-face, et on connaît Vinicius pour sa capacité
à ne pas finir les actions, à ne pas finir les coups. Ça, c'est un énorme arrêt de Mendy. Le corner qui va être effectué, Werner qui repousse. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre. Et une victoire des joueurs de Chelsea, ça fait 1-0. Le but de Mason Mount. Et Chelsea qui est bien parti, d'après les prévisions de FIFA, pour remporter le match 1-0. On revoit le but qui a permis à Chelsea de l'empocher 1-0. Et moi, je vais vous dire à la prochaine. C'était vous, Isberen, pour vous.